La troisième édition du Faux Pass, le Festival des Arts et Sports, s'est affiché comme un espace qui a offert aux enfants des opportunités pour exprimer leurs talents. Au rendez-vous, plusieurs disciplines liées aux arts et aux sports, au Stade Massamba Déba, à l'école américaine ou encore au Classico. L'événement réunit des apprenants du Congo-Brazzaville et ceux de la République démocratique du Congo. Un moment apprécié par beaucoup d'apprenants. Je pense qu'on a fait bien, mais je pense qu'on peut encore faire mieux parce que on se connaît, on est, on est une bonne équipe et on n'a pas fait que ce qu'on pouvait faire et on va faire le prochain match. Les arbitres ont, ont bien fait, tout s'est bien passé. Mais pour le manager Régis Zoula, la philosophie des activités sportives et culturelles est bien claire. Ce que nous attendons le plus important, ce sont les échanges, la compréhension et un esprit communautaire entre les différentes écoles. Ce que nous voulons, c'est pouvoir voir les élèves de notre école américaine pouvoir correspondre, échanger, partager avec les élèves des écoles de Brazzaville, que ce soit privé ou public. Et à travers les échanges des élèves, nous avons aussi l'opportunité de faire des échanges avec les membres des administrations et des organisations. Donc nous bénéficions tous quand nous avons tous nos enfants qui se connaissent, partagent et échangent. Donc euh, nous aimerions avoir le maximum d'élèves et d'écoles possibles pour l'année prochaine édition 2025. Alors que la fin du festival est annoncée pour ce samedi 16 novembre, les organisateurs misent sur la bonne tenue des compétiteurs pour la réussite de la rencontre de Brazzaville.